La relaxe en France pour les deux policiers jugés pour non-assistance à personne en danger après la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois. Le 27 octobre 2005, Bouna Traoré, 15 ans, et Ziyad Bena, 17 ans, s'étaient réfugiés sur ce site EDF pour échapper à la police lors d'une course-poursuite. Les agents avaient fini par quitter les lieux. Une demi-heure après leur départ, les jeunes s'étaient électrocutés. Le drame avait embrasé les banlieues parisiennes pendant 3 semaines. Des proches des familles des victimes ont manifesté leur colère à l'énoncé de l'acquittement qui avait été requis par le parquet. Les deux fonctionnaaires de police, un homme et une femme, encouraient jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.